Je vois l'arrivée de Cheick Diabaté comme un plus pour le club. Donc forcément, c'est quelqu'un qui a beaucoup l'expérience de la Ligue 1, qui a joué à Bordeaux, qui marquait pas mal de buts. Donc je pense que Cheick peut épauler facilement, épauler Thibaut Vion et tout ça. Voilà, en attaque pour un peu plus d'expérience, marquer un peu plus de buts parce que comme on en prend beaucoup, voilà. J'espère qu'il serait bien accueilli et ça serait bien qu'il joue avec Diallo. Là, il est en Turquie. Il est en Turquie. Malheureusement, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, d'après ce que j'ai vu. Après, je pense que maintenant, depuis qu'on a un attaquant qui vient d'arriver, je pense que maintenant, il va falloir prendre un nouveau dispositif et jouer en 4-4-2. Je pense que l'arrivée d'un complément, parce qu'on voit bien que depuis le début de la saison, Milan Bizevac ne fait pas forcément l'affaire, donc pas qu'il ne fait pas l'affaire, mais bon, on voit qu'on a quand même une des plus mauvaises défenses de Ligue 1, on prend beaucoup de buts, des 3, des 4 buts, donc c'est même pas. Donc voilà, je pense qu'au niveau défenseur d'expérience, il faudrait quelqu'un en plus. Pour moi, ça serait plus dans la défense. Après, qui comme joueur, je sais pas, mais un joueur d'expérience de la défense. Le mois de janvier va être capital parce qu'on est 18e au classement, donc on a une place de barragiste. Donc il y a l'arrivée de la Coupe de France, un bon match qu'on fasse une bonne équipe de Lens en Ligue 2. Je pense qu'on va être. Ils sont dans les premiers de Ligue 2, on est dans les derniers de Ligue 1, donc je pense que ça va être un match déjà où on va voir un petit peu à l'effectif comment ça se passe. Et puis je sais pas s'il sera prêt pour jouer des dimanches, mais bon. Je pense que le mois de janvier va être capital, surtout vu notre position. Donc. Ben, vu les matchs qui arrivent entre la Coupe de France, la Coupe de Ligue et le championnat, je pense que ça va être dur. L'objectif de SMS, c'est pas la Coupe, c'est le championnat. Il faut qu'on se maintienne. Ensuite, on a mercredi, ben, match à Paris, là, ça va être très dur. Et Nice dimanche, ça va être encore plus dur parce qu'ils sont premiers au classement, champions d'automne. Je pense que eux, leur objectif, c'était d'être premiers au classement et gagner tous leurs matchs.